T'as mangé? Léa, tu poses le cerf-volant, s'il te plaît. Qu'est-ce que je t'ai dit avec le cerf-volant? Hein? Je t'ai dit que je t'emmenais quand j'avais le temps, à la fin du mois. Léa? Qu'est-ce que je t'ai dit avec le cerf-volant? Léa, tu m'écoutes? Oh! Arrête! J'ai dit que je t'amenais quand j'avais le temps, à la fin du mois, d'accord? Non, mange, maman. Tu veux une autre clope? Tu dors, je te revois demain. Tu te reposes un peu? Allez, bonne nuit, Fleya. Fleya, laisse-moi un peu, hein. Je vais retrouver bébé. Allez, Fleya! À demain. Excuse-moi, courtoisie. Je voulais pas fantaisie, mon mari. Je sais pas si je t'aime, pourquoi devrais-je en calmer? Excuse-moi, courtoisie. Je voulais pas fantaisie, oh mari. Je sais pas si je t'aime, pourquoi devrais-je en calmer? Si je suis venu voir samedi, c'est parce que mardi on a loupé le deal. Je voulais pas tant d'indices, ça aurait été trop loin comme Vienne. J'ai mes envies qui vont et viennent, du black qui vient et dire couleur saine. Et je prie les plus simples, pas pouvoir recroiser ton chemin. Marcher bien, il penche ma tête pensée, ta chasse croisée, d'idées restreintes. Marcher bien, il penche ma tête pensée, ta chasse croisée, d'idées restreintes. Excuse ma courtoisie, je voulais pas de fantaisie, oh mari. Je sais pas si je t'aime, pourquoi devrais-je en calmer? Excuse ma courtoisie, je voulais pas de fantaisie, oh mari. Six, I'm going to be 600 feet. I'm going to be 600 feet.
pas à l'aise, connu que des ailes, connu que des ailes. Quand l'homme vient barbant, les gens fuyant. Prends ma charmante, dans quelque charmante sous tes dents. Faut que je m'immisce, je me dis que je suis grand. Et les grands temps de penser à des pattes dans ce carré. Arrêt, énoncé à haute fréquence, test des mots. Tout le monde dégage là! Tout le monde dégage! Tout le monde dégage! Tout le monde se barre! Tout le monde se barre! Tout le monde se barre! C'est quoi ton problème? Dégage! C'est quoi ton problème? Allez, je vais qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolée. T'as un truc à me dire? Pourquoi tu me l'as pas dit? Quand? J'allais te le dire. Je l'ai appris aujourd'hui. Pourquoi tu me l'as pas dit tout de suite? Mais j'allais te le dire, j'attendais d'être sûre. Puis moi aussi, je suis la première surprise, hein, figure-toi. Faut que t'avortes. Faut que t'avortes. Faut que tu me fous tout ça à la poubelle, là. Mais ce truc, ça peut être aussi, on peut peut-être le garder, ça, enfin, tu te rends compte de ce que tu dis? Mais tu te rends compte de ce que tu dis? Réveille-toi là, réveille-toi, ok? D'accord? On va aller voir un docteur, tu vas avorter. Si. Ça va être bien. Mais je sais pas, on pourrait trouver une solution. Tu pleures. Mais je pleure pas. Je pleure pas. Mais je pleure pas, mais j'ai rien fait, putain! J'ai pas envie d'un bébé qui soit débile comme ta sœur, moi. Alors, si tu veux construire une famille heureuse, fais-le sans moi. Tu comprends? Moi, je me casse. Non, reste! Lâche-moi! Laisse-la! Arrête! Non, laisse-la tranquille! Arrête! Casse-toi! Dégage! Tu vois, je suis pas là. Tu me rappelles quand tu peux. C'est clair? Vous dites que ça pourrait être héréditaire, c'est ça? Non. Ce que je dis, c'est que c'est impossible pour moi de me prononcer aujourd'hui. Bon, sachez que ce type de paralysie cérébrale n'est pas héréditaire à 100%. Je comprends que c'est une décision difficile à prendre. Je vais sortir et je vais revenir un instant pour que vous laissiez le temps de réfléchir, d'accord? Non, mais il n'y a même pas à se poser la question. J'avorte. Je me remets avec Baptiste
et les choses restent comme elles sont, simples. Sans ce truc. Sans ce truc, il est même pas formé. Ok. Allez. Allez. Mais tu sais que j'ai pas vu ce truc depuis que j'ai 11 ans. T'as gardé ça depuis tout ce temps ? C'est notre famille. J'ai pris une décision ?